Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Dans notre émission de dimanche, nous recevons de jeunes artistes. Ce matin, c'est le tour de Quentin. Bonjour. On me dit que tu as fondé ton groupe à l'âge de 17 ans. Est-ce vrai Tout à fait. Je me suis présenté dans une émission de télé et après, beaucoup de musiciens m'ont écrit. Je leur ai répondu et le groupe Amazis est né. Comment enregistres-tu tes chansons Je compose la musique et le texte tout seul. Après, on travaille assez vite et on se parle en images. Je dis par exemple que cette chanson, c'est un paysage avec un arbre. Et chaque instrument représente un des éléments de ce tableau. Quel est votre prochain projet Eh bien, nous travaillons sur notre second album. On négocie sa distribution avec une maison de disques. Qu'est-ce que tu peux suggérer aux jeunes qui veulent montrer leurs œuvres je pense qu'Internet offre pas mal de possibilités. Le mieux, c'est un bon site Internet et surtout Facebook. Sans cela, il y a moins de gens qui te remarquent. Un autre conseil que tu peux donner aux jeunes musiciens Ils doivent apprendre à jouer d'un instrument car la musique demande beaucoup d'efforts. Même s'ils sont très doués pour la musique, s'ils veulent faire carrière, ils doivent aussi maîtriser leur instrument est il facile d'organiser ta carrière de musicien avec l'école? Mes profs m'aident toujours dans mon travail. Ils viennent d'ailleurs régulièrement à mes concerts et achètent mon album. Ça me fait plaisir. Dans notre émission de dimanche, nous recevons de jeunes artistes. Ce matin, c'est le tour de Quentin. Bonjour. On me dit que tu as fondé ton groupe à l'âge de 17 ans. Est-ce vrai Tout à fait. Je me suis présenté dans une émission de télé et après, beaucoup de musiciens m'ont écrit. Je leur ai répondu et le groupe Amazis est né. Comment enregistres-tu tes chansons je compose la musique et le texte tout seul. Après, on travaille assez vite et on se parle en images. Je dis par exemple que cette chanson, c'est un paysage avec un arbre. Et chaque instrument représente un des éléments de ce tableau. Quel est votre prochain projet Eh bien, nous travaillons sur notre second album. On négocie sa distribution avec une maison de disques. Qu'est-ce que tu peux suggérer aux jeunes qui veulent montrer leurs œuvres je pense qu'Internet offre pas mal de possibilités. Le mieux, c'est un bon site Internet et surtout Facebook. Sans cela, il y a moins de gens qui te remarquent. Un autre conseil que tu peux donner aux jeunes musiciens Ils doivent apprendre à jouer d'un instrument car la musique demande beaucoup d'efforts. Même s'ils sont très doués pour la musique, s'ils veulent faire carrière, ils doivent aussi maîtriser leur instrument. Est-il facile d'organiser ta carrière de musicien avec l'école? Mes profs m'aident toujours dans mon travail. Ils viennent d'ailleurs régulièrement à mes concerts et achètent mon album. Ça me fait plaisir. Zadanie drugie. Zapoznaj się z treścią zadania. C'est du propre est un programme informatique à utiliser avec les adolescents. Il vous propose des quiz, des jeux de rôle et de nombreuses autres activités sur le sujet de l'environnement. Le logiciel vous aidera à mieux organiser des débats en classe et montrera à vos élèves le problème des déchets sur notre planète. Plus de 100 fiches d'activités avec une offre spéciale pour les écoles. Écrivez-nous pour commander une version d'essai en ligne. 2. Ici le numéro vert. Vous êtes intéressé par la collecte des ordures ménagères, du verre, des cartons ou du papier Composez le 1. Pour connaître les jours et horaires de passage de nos camions, composez le 2. Attention, en raison de problèmes de stockage de poubelles qui peuvent exister dans certaines habitations, nos agents distribuent des sacs de différentes couleurs pour faire votre tri sélectif. Vous souhaitez en profiter, composez le 3. Vous voulez parler avec un responsable, composez le 0. Merci de votre appel. 3. Regardez, le camion poubelle arrive par cette porte. Tous les cartons sont ramassés dans cette pièce. Là, on mélange le papier et le carton à de l'eau. On y ajoute des fibres de bois et tout devient une pâte, la pâte à papier. La pâte à papier passe par ici, on la rend plate, puis on sèche les feuilles. Le papier est ensuite mis en gros rouleaux. Avec ça, on produit de nouveaux objets. Voilà, comme ça par exemple. 4. Pour moi, ce n'est pas très difficile. Au début, cela demande un peu d'organisation à la maison, mais il suffit d'installer d'autres poubelles ou des sacs à côté de la poubelle habituelle. La poubelle normale est pour les déchets non recyclables, comme carton de pizza, papier gras, sachets de thé, filtre à café, etc. Les restes de mes repas vont dans la poubelle bio. Le verre, le plastique et le papier ont aussi chacun leur poubelle. C'est du propre est un programme informatique à utiliser avec les adolescents. Il vous propose des quiz, des jeux de rôle et de nombreuses autres activités sur le sujet de l'environnement. Le logiciel vous aidera à mieux organiser des débats en classe et montrera à vos élèves le problème des déchets sur notre planète. Plus de 100 fiches d'activités avec une offre spéciale pour les écoles. Écrivez-nous pour commander une version d'essai en ligne. 2. Ici le numéro vert. Vous êtes intéressé par la collecte des ordures ménagères, du verre, des cartons ou du papier Composez le 1. Pour connaître les jours et horaires de passage de nos camions, composez le 2. Attention. En raison de problèmes de stockage de poubelles qui peuvent exister dans certaines habitations, nos agents distribuent des sacs de différentes couleurs pour faire votre tri sélectif. Vous souhaitez en profiter Composez le 3. Vous voulez parler avec un responsable Composez le 0. Merci de votre appel. Regardez, le camion poubelle arrive par sept portes. Tous les cartons sont ramassés dans sept pièces. Là, on mélange le papier et le carton à de l'eau. On y ajoute des fibres de bois et tout devient une pâte, la pâte à papier. La pâte à papier passe par ici, on la rend plate, puis on sèche les feuilles. Le papier est ensuite mis en gros rouleaux. Avec ça, on produit de nouveaux objets. Voilà, comme ça par exemple. 4. Pour moi, ce n'est pas très difficile. Au début, cela demande un peu d'organisation à la maison. Mais il suffit d'installer d'autres poubelles ou des sacs à côté de la poubelle habituelle. La poubelle normale est pour les déchets non recyclables, comme carton de pizza, papier gras, sachets de thé, filtre à café, etc. Les restes de mes repas vont dans la poubelle bio. Le verre, le plastique et le papier ont aussi chacun leur poubelle. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. 1. Bonjour, asseyez-vous. Je voudrais vous dire ce que nous attendons de vous. Nous cherchons un étudiant pour le mois de juillet. Vous devez connaître parfaitement nos catalogues pour pouvoir présenter nos offres. Goût, budget, âge, tous ces éléments sont importants pour proposer nos formules de vacances. Votre rôle est aussi de réserver des hôtels, de chercher de jolies plages, et de vous occuper de la restauration. Bref, d'organiser les séjours de nos clients. Voilà ce qu'il faut faire et pour cela, l'anglais sera important. Est-ce que cela vous intéresse? 1. Bonjour! Asseyez-vous, je voudrais vous dire ce que nous attendons de vous. Nous cherchons un étudiant pour le mois de juillet. Vous devez connaître parfaitement nos catalogues pour pouvoir présenter nos offres. Goût, budget, âge, tous ces éléments sont importants pour proposer nos formules de vacances. Votre rôle est aussi de réserver des hôtels, de chercher de jolies plages, et de vous occuper de la restauration. Bref, d'organiser les séjours de nos clients. Voilà ce qu'il faut faire, et pour cela, l'anglais sera important. Est-ce que cela vous intéresse 2. Je peux vous renseigner, mademoiselle Oui. Je voudrais participer à la fête du cinéma. Eh bien, elle aura lieu du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet. Comment ça marche cette année Cette année, il n'y a plus de carnet après la première séance. Vous achetez une place à 4 euros. C'est le prix que vous devez payer pour chaque séance dans toutes les salles. Alors, c'est plus simple et moins cher. Avez-vous le programme Tenez, mademoiselle. C'est gratuit. 2. Je peux vous renseigner, mademoiselle Oui, je voudrais participer à la fête du cinéma. Eh bien, elle aura lieu du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet. Comment ça marche cette année Cette année, il n'y a plus de carnet après la première séance. Vous achetez une place à 4 euros. C'est le prix que vous devez payer pour chaque séance dans toutes les salles. Alors, c'est plus simple et moins cher. Avez-vous le programme Tenez, mademoiselle, c'est gratuit. 3. Moi, en me renseignant sur ce qu'il était bon de manger ou pas, j'ai changé mon alimentation. Depuis, je n'achète pas de médicaments pour maigrir à la pharmacie car c'est dangereux. Je ne cherche pas sur Internet de recettes magiques à base de légumes, comme par exemple du chou. Ce n'est pas très bon. Je me suis mise à courir régulièrement, et c'était la meilleure méthode pour perdre du poids. J'ai perdu 8 kilos en un mois, et c'est bien comme ça. 3. Moi, en me renseignant sur ce qu'il était bon de manger ou pas, j'ai changé mon alimentation. Depuis, je n'achète pas de médicaments pour maigrir à la pharmacie, car c'est dangereux. Je ne cherche pas sur Internet de recettes magiques à base de légumes, comme par exemple du chou. Ce n'est pas très bon. Je me suis mise à courir régulièrement, et c'était la meilleure méthode pour perdre du poids. J'ai perdu 8 kilos en un mois, et c'est bien comme ça. 4. à paris il y a des résidences universitaires qui proposent des chambres meublées vous ne dépensez pas beaucoup d'argent puisque vous avez tout sur place généralement on met à votre disposition machine à laver frigo accès wi-fi et cuisine pour préparer de petits plats donc pas besoin de déménager vos affaires si vous arrivez dans une nouvelle ville c'est aussi un petit plus qui vous permettra de vous faire des amis. C'est l'occasion de vivre en collectivité. 4. À Paris, il y a des résidences universitaires qui proposent des chambres meublées. Vous ne dépensez pas beaucoup d'argent puisque vous avez tout sur place. Généralement, on met à votre disposition machine à laver, frigo, accès Wi-Fi et cuisine pour préparer de petits plats. Donc, pas besoin de déménager vos affaires. Si vous arrivez dans une nouvelle ville, c'est aussi un petit plus qui vous permettra de vous faire des amis. C'est l'occasion de vivre en collectivité. 5. Alors c'est d'accord. Si tu me donnes les clés, j'arroserai les plantes et je donnerai à manger au chat. Il aime le poisson Mais Minou part avec nous. Vous l'emmenez sur le bateau Eh oui, on fait toujours comme ça. Il adore naviguer. Et puis, il a une fonction importante. C'est notre station météo à quatre pattes. Comment Si le temps change, il miaule très fort. Et il ne se trompe jamais. L'été dernier, il nous a prévenus d'un orage. Grâce à lui, on est resté dans le port. 5. Alors c'est d'accord. Si tu me donnes les clés, j'arroserai les plantes et je donnerai à manger au chat. Il aime le poisson Mais Minou part avec nous. Vous l'emmenez sur le bateau Eh oui On fait toujours comme ça. Il adore naviguer. Et puis, il a une fonction importante. C'est notre station météo à quatre pattes. Comment Si le temps change, il miaule très fort. Et il ne se trompe jamais. L'été dernier, il nous a prévenus d'un orage. Grâce à lui, on est resté dans le port. 6. Tu as entre 15 et 18 ans et tu ne veux pas demander à chaque fois de l'argent à tes parents pour sortir avec tes amis. Pendant les grandes vacances, tes parents sont souvent inquiets quand tu voyages avec une somme d'argent que tu pourrais perdre ou te faire voler. C'est pourquoi nous te proposons la carte cadeau 15-18 à acheter directement dans notre banque. Acceptée partout en France, elle te permettra de gérer ton propre budget comme les grands. Pour plus d'informations. Consulte notre site internet www.cartecado.fr Tu as entre 15 et 18 ans et tu ne veux pas demander à chaque fois de l'argent à tes parents pour sortir avec tes amis pendant les grandes vacances, tes parents sont souvent inquiets quand tu voyages avec une somme d'argent que tu pourrais perdre ou te faire voler. C'est pourquoi nous te proposons la carte cadeau 1518 à acheter directement dans notre banque. Acceptée partout en France, elle te permettra de gérer ton propre budget comme les grands. Pour plus d'informations, consulte notre site internet www.cartecado.fr. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.